Si je fais cancel, ça fait quoi? Ça marche quand même ou pas? Ça a l'air de fonctionner. Partons là-dessus. Bonjour à tous, c'est Delucar et aujourd'hui on se retrouve pour la suite et probable fin, je pense. Là, tout simplement d'Alien Breed 3. Ah, attendez, est-ce que je parle en même temps à côté? Mode scénario, oui, continuer, normalement c'est bon. Va passer, hein, parce qu'on l'a vu la dernière fois, ça. Et voilà. Alors, on met le téléphone de côté. Vengeance. Oui, peut-être. Qu'est-ce que j'ai en arme de souvenir? Il me restait plus tant de choses en vrai. Sans déconner, c'est la Hesse. Sans déconner que c'est la Hesse. Je trouve que le son du jeu est encore toujours très fort. C'est peut-être que moi, mais... C'est peut-être moi qui suis fatigué d'entendre des explosions tous les 2 secondes. Ça, je suis allé là, là il y a un fusil d'assaut. J'essaie d'économiser les munitions, mais bon, j'ai plus tant de. En fait, j'ai plus beaucoup d'objets de soins, et ça reste, c'est un problème en vrai. En vrai, c'est un problème. Parce que ben, quand tu joues au pistolet, t'as quand même souvent tendance à te prendre une claque ou deux de temps en temps. Et ben, du coup, c'est pas ouf, hein, parce que j'ai revendu la plupart des objets de soins. J'ai cru qu'il allait y avoir une tourelle. Donc, d'après ce que j'ai compris, il y aurait apparemment 5 missions. On est à la quatrième. Après, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment 5 missions, quoi. C'est ça le souci. Donc on va tester puis on va voir. C'est vrai que j'ai pas eu le temps de regarder si c'était une fausse info ou pas. Ah oui, je devais demander à ma femme. Peut-être que le chauffe-eau était éteint.
Oh putain. Oh mon Dieu, c'est horrible. Comment j'ai pris cher, oh. De la répondre. Il fait méga chaud en plus en ce moment, c'est un truc de ouf. Hop 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 hop, je travaille sur un soleil de plomb là. Elle est pas morte quoi. Putain, il est pas mort. Le coup de canon en poupe. Je le connais. Allô ? Galéré. Ah, je viens de voir qu'on pouvait monter.
canon à pompe. J'ose pas utiliser le Lingen. Ça aussi. Récupérer une munition. Ça, ça reste longtemps leur marque de dégueulis. Putain! C'est possible! On n'est jamais tranquille ici ou quoi? Welcome to Intex Systems. 7000. 10 000! Thank you for choosing Intex. Merde! Je vais sauvegarder. Welcome to Intex Systems. Quand même le fait qu'on va devoir... Oh, projet X. Quand même le truc de devoir couper un endroit à l'électricité. Je commence à me souvenir pourquoi j'avais vraiment cette idée de... d'avoir... plus apprécier le 2 que le 3. En fait, t'es souvent entravé dans tes mouvements. Te submerge d'ennemis en plus. Enfin voilà quoi, dans l'eau. Tu vois pas forcément les petits ennemis t'arriver dessus. À faire là-bas avant? Ah, je l'ai peut-être pas vu. Il devait y avoir un truc à faire, je l'ai pas vu. Repérer les charges explosives. Putain, je l'avais pas vu. Allô. Ah bah voilà, j'ai...
couper l'électricité, dirons-nous. Planqué, disait qu'on disait que j'ai pris des dégâts. Pour autant, j'ai toujours de l'électricité ici, tiens. Donc, à mon avis, on pouvait fouiller sans crainte. Oh de la merde, je vais pas le tuer. Make you more from that. That's me, not with me. Eh putain, tu les vois pas arriver, les petits. T'es obligé de te fier à ton putain de radar. Elle était pas toujours en train de regarder le radar, quoi, donc pénible, hein, ce coup de les mettre dans l'eau, les petits. Hein. Il devrait se noyer, puis point mort, quoi. Cool. Remember your birth, comrade. I remember mine. My awakening, my ascendancy, illuminated in the splendor of my own design. Comrade, in life there is only one inevitability. Death. Aïe 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 aïe. Power rerouted. Door online. Believe me, when you cease to entertain, I will erase you. Be in no doubt of this. C'est quoi ça? Plus les deux. Putain, mais c'est chiant, t'es emmerdé par des plus petits, alors t'as pas envie d'utiliser tes grosses armes, quoi. Pas de problème. Yo, Yorson. Bah je peux te répondre en direct pour le dernier truc que t'as envoyé. Je pose spécialement l'impression, mais moi tu m'en rends pas compte, hein. Je sais qu'il y a des préférences. Je sais que Lady avait toujours dit qu'elle préfère le Peter, ça c'est un souci. Bonsoir. Les dernières sessions qu'on a faites, l'un des joueurs les plus actifs, c'est pas le joueur le plus actif, c'est PLS. Donc, je pense pas. Pas spécialement l'impression.
peut-être de me servir de cette arme, mais franchement... C'est trop facile. Oh, c'est normal. On a toujours une petite préférence d'univers ou quoi que ce soit. Oh là 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 là. Mais sérieux ? Des fois, ça les tue même pas en un coup, cette arme. Ah. J'ai dit à Conan, mon gars, je sais pas quand est-ce qu'il arrive. Hein. Là, il arrive en Kickstarter dans pas longtemps. T'as toute la campagne du Kickstarter, t'as la date d'envoi, enfin... C'est pas pour cette année, je pense. Hein. J'ai participé au Kickstarter du jeu de plateau, Conan. Il fallait un an, hein, donc... voilà quoi. Honnêtement, mon message n'a rien à voir avec l'arrivée des autres JDR ou quoi que ce soit. Prochaine saison, je vais dire vraiment c'est aux armes en automne 2024. En français aussi ou est-ce que c'est de l'extension mais in English? Là, ça fait un moment qu'on attend certains trucs en français. Hein. Français. Il est pas mort lui. Aux armes. Ce serait une extension avec plus d'armes. Canons, je sais pas moi, des trucs un peu... sortent du commun peut-être. La clé du secteur du personnel.
is denied. J'avoue que le blindage renforcé il ferait du bien là quand même. Access denied. Un truc secret, accès refusé, il faut utiliser le console d'annulation. Ah. Pourquoi je peux pas là? Access denied. Ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Access denied. Voilà. Faut courir genre très très vite et tout. Oh putain. Thank you for choosing Intex. Have a nice day. Moi je regarderai ça. Ah, il fait du bien le petit blindage. Le petit blindage il fait du bien. Alors, est-ce que je peux les cheese? Ils peuvent me taper dessus quand même, donc vite fait. Vous pouvez se défendre quand même. Hein. Alors. Key card required. Security level authorized. Bon ou pas? Bon, je vais regarder maintenant parce que la curiosité. Ah, c'est pour les carrières de guerrier. C'est si tu veux faire des combattants, en général. Un guide des ordres de chevalerie, une liste élargie d'armes et d'armures, voilà. Que d'équipements spécialisés. Règles pour se mettre à l'abri dans des véhicules et les bâtiments. Et leur équivalent pour les faire exploser, bâtiments avec une artillerie. Détails sur l'emploi de PNJ mercenaires. Système pour générer des bizarreries individuelles. Éthique de travail. Règles facultatives supplémentaires. Les nouveaux efforts, les approches alternatives ou blessures critiques. Le combat à cheval. Ouais, bah c'est pour faire des meilleures batailles, quoi. Meilleur bagarre. Donc ça a l'air cool. Casse les couilles ce nouveau Xeno. Éloigné de mes couilles. Ah, c'est vrai que là le combat à cheval il est assez basique. Il n'y a pas spécialement des trucs extrêmement détaillés dessus. Access denied. Oh, une clé de cargaison. C'est résistant en plus cette merde, non? Elle est là-bas, je pense.
C'est résistant, ça peut attaquer à distance. Par contre, c'est un peu lent. Bon, ouais, quand même. Security level authorized. En espérant qu'elle sorte vraiment, parce que j'attends toujours les l'extension Tribu Wag et l'extension sur les Skaven, on va gris. Ça devient un sketch. Hein. Si tu fais un Saurus, ça risque d'être un peu chelou de me le faire combattre à l'hallebarde, hein, personnellement. Mais... Sachant que c'est un peuple qui est assez... Bah, il me semble que si. Hein. Je pense que je vais regarder sur leur site public ou à... Chaos Project, je sais plus lequel est le traducteur français, je vais regarder parce que... La boutique de jeu dit qu'elle est sur le coup mais elle me donne pas de nouvelles donc... Ouais, c'est une genre de hallebarde, ouais, mais enfin, ça ressemble pas à une hallebarde classique, tu vois ce que je veux dire. Les armes des Saurus, elles sont lourdes. Elles sont particulières. Assaillis d'ennemis quoi, c'est incroyable. Regardez-moi tout ça là. Regardez-moi. Incroyable. Mais c'est pareil, hein, l'extension Lustri, normalement, devrait. C'est comme l'extension Tribu Wag, là, Tribe. Normalement, ça devrait être là dans pas longtemps, quoi. Ça devrait même être sorti, normalement. Je comprends pas la logique du roleplay Warhammer au niveau de ses sorties roleplay, quoi. Vraiment. Très chaud. Alors que je serais le premier à dévorer les livres, hein, justement, pour en apprendre plus sur l'univers. Access denied. Security level authorized. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup les livres de roleplay ce genre d'univers. Oh le bâtard.
tous arriver un par un, les enfoirés. Ils ont réussi à pas tous mourir. N'oublie pas que les gardiens des temples qui manient le halbard, c'est pas le niveau 0 quoi, tu vois, enfin... Même si de base tu auras forcément un personnage avec plus d'XP, pour commencer. Il va te falloir des compétences pour ton sang-froid, quoi. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que cela? Bon, tout le monde est mort, non? Il vient de faire passer l'électricité dans l'eau. Oh pétain! Sans effet sur les jeux. Là je vais là, ça ne sert à rien. Mais attendez, mais 1-9 ça donne. Ça donne tant! Survivre à des milliers d'insectes, xénomorphes aliens dégueulasses pour crever via un coup de jus quoi. Foolish.
train de me demander si c'est la fin du niveau parce que il y a un truc de sauvegarde juste là. Il y a un ascenseur là. Intex. Welcome to Intex Systems. Ben moi j'ai bien envie d'améliorer le projet X là. Dégâts aggravés, ben voilà. Je me demande même si on va pas acheter. Une tourelle. Et voilà. Un grand medikit. Tienne autant de temps, peut-être. Ah putain. C'est bien la fin du niveau. C'était la fin du niveau, bordel. Ouais, mais en fait, le truc de sauvegarde, c'est pour éviter de mourir comme un con, alors que la fin du niveau, elle est juste là, mais que tu dois tenir, quoi. Ils sont quand même sympas, ces enfoirés. En espérant qu'il y ait vraiment 5 missions, d'ailleurs. I've
fry the last firewood, and I'm now in full control of the Leopold mainframe, Conrad. I'll be leaving shortly. I wish you could come, but I'm afraid it's simply not possible. Would you like to hear a story? Maybe it will help you to understand. Understanding is what makes us human, Conrad. I think you'll agree. Does it have a happy ending? When I was a child, my mother gave me a puppy. I named him Max, after the father I never knew. I love that dog, Conrad. One day, I made the mistake of asking my dear mother if Max would be my friend forever. She told me how long dogs lived. At first, I didn't believe her. But why would she lie to make me so sad? Sounds traumatizing. At least you turned out okay, though. I couldn't bear the prospect of Max dying on me someday. I knew I had to save him. I vowed that day to conquer death, Conrad. Is that so ignoble a goal? I take back what I said about liking stories. Yet to conquer death, first I needed to comprehend it. So the first thing I did was call Max to me and use the laser pen to sever his head from his body. My mother didn't understand, but it was worth it, Conrad. Because I learned so much. Ouais, ça doit être 5 heures parce que c'est... ça doit être 5 missions parce qu'ils disent durée de vie de 5 heures et on met à peu près 1 heure par mission. Sachant que bon, on joue quand même assez vite, nous. Parce qu'il existe un monde où, en fait, les missions sont faites en 45 minutes. Et du coup, le quart d'heure que tu gagnes à chaque fois... Bah, en fait, c'est une sixième mission pour faire la cinquième heure. I feel compelled to warn you that the females of the species are highly intolerant of uninvited males approaching the nest. Sick bastard! Your tenacity, Conrad. But where would you be without me? Still languishing in the effluence of your own despair. Sachant que derrière, j'ai décidé qu'on ferait Mafia premier lune. Voilà. J'ai décidé. C'est comme ça. Ça prend de la place sur mon disque dur. Parce que c'est le remake, hein. Puis Fallout m'a donné entre guillemets envie d'en voir un peu plus au niveau. Ça m'a donné de nouveau envie de voir un Mafia. Avec le perso qu'on a fait était un petit peu. Vite fait. Avant de passer pour Silver Shaw, le super héros. Habillé comme un mafieux et avec une Tommy Gun. Il est là pour t'éclater la gueule. Security level not authorized. Flooding detected.
Security level authorized. Automatic safety lockdown initiated. Bâtard. Je suis en paralysé. Quand même, hein. Venez pas par là. Welcome to Intex Systems. 2400. Est-ce qu'on peut acheter un objet, genre un blindage renforcé? Vous pouvez pas acheter cet objet parce qu'il est en rupture de stock. Ah bon. Bon. Decompression detected. Oh, faut se dépêcher, non? J'ai pas le temps. Mon objectif est ailleurs. Manual override initiated.
initiated. Safety door locks disengaged. On va sauvegarder parce qu'il dit soi-disant que là je vais déjà avoir Klein. Welcome to Intex Systems. Ça paraît bizarre, mais bon. Inconvenience me enough, Conrad. It's time to put this petty game to an end. Self-destruct node armed. 3. 2. 1. Wonderful, Conrad. Far more responsive to stimuli than my other tests. Quel bâtard, il s'en a trollé, quoi. Coup de laser dans la gueule, quoi. Projet X. Putain, elle m'a défoncé avec son laser, j'arrive pas à le voir arriver, quoi. Son putain de laser. Oh, ils sont gentils quand même de nous... Je
peux fouiller un peu plus. En fait, il nous laisse fouiller quand même un petit peu. Quoi. Ouais, donc du coup, bah. Non, c'est pas du tout inspiré d'Alien. Pas du tout. Rien à voir. Ce n'est pas une reine alien que vous voyez. Ce n'est pas du tout du copier-coller. Amélioration. On pourra pas, donc autant acheter des medikits, hein, parce que là... Ah, il y a les mecs collés contre le mur et tout. Non, non. Ça n'est pas Alien. Elle pond des œufs, des trucs qui ressemblent à des facehuggers. Et ils prennent des hôtes. Il va falloir parier qu'en fait c'est exactement le même délire que celle-là. Est-ce que c'est pour nous déplaire? Ma foi, non, pas vraiment, mais bon.
couilles. Oh bah au fait, à ce qui paraît, le film Borderlands est une, pour l'instant, une totale merde. Il est pas bien du tout. Et en plus, personne ne le voulait. Il a coûté je sais plus combien de millions, un truc comme 40 millions, enfin je sais même plus en fait. Mais il en a rapporté que 4, enfin c'est un des pires ratés du cinéma, de ce que j'ai compris. Tant personne ne demandait ce film. Les mecs, ils ont été galvanisés parce qu'ils ont fait un DLC Tino Tino en mode roleplay là et c'était rigolo. C'est bien qu'ils ont fait un film où Tina Tina pareil et tout ça quoi. Par contre, c'est très bien que tout ce qui nous plaît dans Borderlands, ils pourront pas le montrer de toute façon au cinéma. Et que l'humour complètement con de Borderlands. En fait, c'est le même humour qu'il y a dans les films Marvel et autres quoi. Donc. En fait, on est habitué maintenant à cet humour-là. C'est plus du tout la même chose que. Plus du tout la surprise. Il y a je ne sais combien d'années, quoi. Il aurait peut-être mieux fallu faire comme Fallout, faire plutôt une petite série. Plutôt que de faire un gros film. C'est triste à dire ce que je vais dire. Mais quelque part, je suis un peu content qu'il s'est cassé la gueule, le film. Je devrais pas dire ça, hein, mais... Ah putain, encore de l'eau. J'ai débranché le cerveau.
sais que c'est plus ou moins le but du jeu, mais... Le qui est décoré. Terminal Intex. Welcome to Intex Systems. On l'a vu, le petit salaud, là. Mais passe sur le côté, par la rambarde. Systems malfunctioning. Putain. Non, je suis bloqué dans une chaise. Dans une porte. Non, ça m'a poussé. Je suis même pas... Allez. Putain. C'est pas la première fois que ça nous arrive, ce genre de petit bug là. Chat. Ah, ça s'est bloqué. Welcome to Intex Systems. Circuit closed. Systems online. Hey, pousse-moi ça.
arène là que j'en ai vu passer? Je sais pas, je sais pas. Ah, il va sûrement falloir revenir ici. Ça, c'est le futur chemin. Ça. On est sûr. Conrad, can you hear me? Conrad? Your resolve is faltering, that much I know. Je suis sûr qu'elle va venir pour un troisième round, la reine. Il y a un projet X qui traîne. Power overload.
control activated. Dégage! Alors, est-ce qu'on peut avoir un objet genre blindage? Non, que dalle. Déplacer. Ah, ils sont infernaux ces ennemis-là. Bourriner au lance-flammes, mais d'une de ses puissances.
Ils donnent rien, les radins. Keycard required. Security level authorized. Je suis en train de me demander quand est-ce que se termine cette mission. Je vais affronter deux fois la reine. Putain. Ah c'est infernal. Les petits mobs dans l'eau, c'est vraiment n'importe quoi, quoi. Tu les vois pas en fait. Ben, t'as pas le temps de regarder forcément tout ton... Tu peux pas tout le temps regarder ton radar, quoi, c'est pas possible. Là, la preuve, je l'ai fait, j'avais même pas vu qu'il y avait un ennemi juste à côté de moi. Et pourtant, il brillait et tout, hein. J'ai réussi à pas le voir. La merde, c'est pas. Sur le papier, elle est cool, mais. Que sur le papier, quoi. Pas sur les ennemis. C'est un peu le problème. Mais bon, je commence à manquer de munitions. Ils te font fouiller plein de trucs, y a rien dedans quoi, merde. C'est relou. Oh de la merde, go. Quoi? Je l'ai touché avec cette arme et il est pas mort. Une blague. Putain de blague.
C'est infinissable. J'ai même plus de munitions. On est à un stade où, bon, j'ai encore quelques munitions de fusil d'assaut, mais... Il y a tellement d'ennemis, c'est tellement long, et ils nous donnent rien quand on fouille. Bah... En trop de surprise, je commence à manquer de munitions. Oh là là. Merde ça. Bah ouais, hein, medikit. Ah, bladage renforcé. C'est quasiment l'équivalent d'une barre de PV, hein, donc. Les munitions, par contre, c'est un scandale. Un super blindage. Je vais pas aller voir la potentielle tourelle qu'il y a de l'autre côté, hein. Ce serait stupide. Putain, il y en a encore une là. Rien d'intéressant, bah oui. Putain, y'a une tourelle. Ah! Oh! Je peux la toucher. Je me souvenais pas que la fin était comme ça, quoi, putain. Je présume que c'est la fin. Sérieux. Alors, un grand medikit. Rien. 200 munitions de fusil d'assaut. Rest, Conrad. I pursue what cannot be pursued. Au moins j'ai du fusil d'assaut. 5 munitions de projet X, c'est pas mal aussi ça. Ah ok.
Je me dis, bah, je peux pas passer. Il y a un truc électrique ou je sais pas quoi là. Ceci. Tu peux. That is slowly descending to the bottom of an icy ocean on a remote planet far from civilization and hope. Did I leave anything out? I've decoded a billion lives, unraveled the fabric of creation itself, and you dare to try to destroy me? What do you hope to achieve by all this? Je sais plus comment on l'affronte. You can run, Conrad. But there is no hiding. I see everything. It affects me so. Why do you persist? Destroy creation, Conrad. Creation is destruction. I admire your resilience and conviction, Conrad. However misguided it may be. Aidez de Momo toi-même. Comment il va? Monsieur, arrêt de travail. Elle est déglinguée. Non, encore vivant. Il faut admettre. Les jeux que je fais n'intéressent pas beaucoup de monde. Ça, c'est sûr. Oh putain! Bah, ça, c'est cool de faire popper l'ennemi sur moi. C'est toujours bien. Et ta boîte d'intérim, elle peut pas te le dire. Ça va être un peu au courant, non? Ils sont pas au courant? Service elevator activated. Here's the situation as it stands, Conrad. You are consigned to meet your fate in a metal tomb infested with hostile organisms that is slowly descending to the bottom of an icy ocean. Bah, sachant que t'as l'air d'être dans l'incertitude, si la sécu te demande ton truc pour ton arrêt de travail, bah, tu pars du postulat que c'est un arrêt de travail, et puis voilà. I decoded a billion lives, unraveled the fabric of creation itself, and you dare to try and destroy me. Il va être payé à rien foutre chez lui. Enfoiré. Ça va remettre des têtes sur Arbos. You've inconvenienced me enough, Conrad. It's time to put this petty game to an end. Oh bah! Oh bah! You can run, Conrad. But there is no hiding. I see everything. Allez, bim, le laser dans ma gueule. Ça a popé sur moi. Quoi. C'est con parce que Bouygues avait l'air quand même d'être une bonne boîte, mine de rien.
Bah, j'y suis allé au projet X dessus alors que. C'est un peu plus. You're going to destroy creation, comrade. Creation is destruction. I admire your resilience and conviction, comrade. However misguided it may be. Ah. C'est les Japonais. Now, comrade, you must die. Moi je suis, c'est pas mal, mais bon. Ils t'ont pas payé les heures sup. Ils ont dit que tu le méritais pas. Les bâtards. Bon, est-ce qu'elle est morte? Ah, moi qui étais déçu de Ramri, mon gars. Le seul avantage de Ramri, c'est que des fois, t'es arrivé, tu faisais 4-5 heures de travail, et t'avais... Si tu te démerdais bien, des fois, tu pouvais finir avant. Et être payé comme si t'avais fait toute ta journée. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Là où je suis, c'est plutôt. Bon, bah, ça serait bien de faire une petite heure supplémentaire, ça nous permettrait de finir. Super. Ah, c'est bien, hein, ça fait des heures sup, hein, mais. L'autre coup, je me suis demandé, putain, ça ressemble à quoi ma maison, quoi. Eh ben, mon cochon, normalement, c'est la fin. On ne veut pas qu'il y ait une mission 6. You're too late. Too late, too late, too late. Leopold Flight Systems online. I'm sorry to tell you this, Conrad, but I've uploaded a sufficient amount of myself to the... Sinon, moi, ça fait quand même quelques... part of the Grand Crusade. Ça fait un petit moment maintenant, hein, qu'on a fini la formation et on n'a toujours pas fait signer mon CDI. Goodbye, comrade. Yeah, so long. Oula. Le Momo, il a des comptes à régler. Could be worse. Mm-hmm.
Putain, la fin, c'est ça? Oh, ça finit en autre boudin, je m'en souvenais pas, par contre. N'importe quoi, quoi. Ah bah, ouais, bah, dis-toi que moi, j'ai taffé, hein. J'ai taffé en plein soleil, hein. C'est-à-dire que au bout d'une heure, alors que, franchement, j'avais pas fait grand-chose, hein. Bah, j'étais déjà, tu voyais sur mes bras, tu voyais déjà de la sueur de ouf, hein. C'est au bout d'un moment, en bougeant, je me suis rendu compte que mon maillot était collé à moi et tout. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Et demain, il fait un petit peu moins chaud, mais bon, il fait chaud quand même, quoi. Oh, je dirais pas non à une petite intempérie. Hein. Bon, en tout cas, c'est cool. J'ai fini ce jeu-là aussi. Donc c'est plutôt sympa. Bah, je préfère Alien Breed 2, bizarrement. Voilà. CP c'est 28 sur certaines villes, mais souvent c'est 30. De quoi? Intempéries canicule? Bah, dis-toi que nous, là, on était. Là où j'étais, on était à 32, je crois. On n'a pas eu d'intempéries canicule, hein. Ils connaissent pas. Hein. Ma boîte, elle connaît pas, intempéries canicule. Et les horaires aménagés, et le chef il veut pas non plus parce que comme il met 2 heures pour venir sur le chantier, bah si on commence à 6 heures, le problème c'est que lui ça le fait lever très tôt. Du coup bah il veut pas. Voilà, en tout cas le petit Alien Breed 3 désinstallé. Comme je disais, bah, je préfère le 2, j'ai les meilleurs souvenirs du 2. Le 3 il est trop chiant sur certains machins, sur certaines phases. Hop. Et bah, il est que 21h donc je vais aller me poser dans le lit et tout ça quoi. T'as signé pour en chier. Ouais bon après franchement je vais pas me plaindre hein. Là où je suis c'est vraiment bien. On m'apprend pas mal de trucs. Je suis vraiment considéré comme un manœuvre, un aide maçon, quoi, on va dire. Du coup, bah, en fait, c'est pas moi qui fais des choses, mais moi, je suis un petit peu en retrait, et voilà, quoi. Mais ça me permet de bien voir, et quand ils ont le temps, bah, ils me disent, bah, tiens, tu vas faire ça, on va voir si tu y arrives. Bah, ça se passe plutôt bien, hein. J'ai plus mon essence, quasiment. J'ai juste à aller à un petit point de rendez-vous, pas trop loin. Juste assez loin pour pas y aller à pied. Mais pas assez loin pour vraiment bouffer mon essence, donc j'en fous. À 5 minutes de chez moi, quoi. Et après, on y va en camion, avec le collègue. Des fois, j'ai carrément le camion pour aller chez moi. Je récupère... pour finir la terrasse, bah du coup, j'ai eu du sable. Là, pour couper les grosses dalles que je veux mettre, ils vont me prêter la tronçonneuse. Non, franchement, ils sont sympatoches. J'aime bien où j'en suis, là. C'est cool. Puis tu fais aussi bien du blanc que du noir. Et puis, il y a moyen d'avoir du CDI, quand même. Bon, en tout cas, moi, je vais aller me poser tranquillou avec une petite bière dans le lit devant une petite vidéo YouTube. Demain, bah, je commencerai bien Mafia, définitive édition, là. Comme on avait déjà fait il y a longtemps Mafia 2, sur la chaîne. Et que Mafia 3, je l'avais fait, mais de mon côté, puis bon, je l'avais un petit peu rush, en vrai. Je me souviens pas trop, enfin, la fin m'avait pas trop plu avec ce qui s'était passé. Et à un moment, j'ai choisi un camp, sans trop le vouloir, le savoir. Je pensais pas qu'il y aurait des grosses répercussions sur l'histoire, donc... Voilà. Et, bah... C'est pas un jeu qui est très très long. Et pourtant, le remaster édition, là, elle prend quand même un peu de place hein, sur le disque dur. Donc ça serait assez cool de le faire assez vite.
Et on verra bien. Sur ce, une bonne nuit. Parce qu'il y en a qui bossent. Ils sont pas en arrêt de travail. Ah, ciao, ciao.